Yep, c'est parti. Donc une petite vidéo comparative entre trois guitares Harley Benton. Donc pour commencer, la E35. Hein, une demi-caisse, enfin une quart de caisse qui copie la Gibson 335. Donc là je fais clé et clean. Hein. Donc sur le Bugera dans l'entrée low, le gain à 10 h et le master à 10 h. Voilà, pas d'effet. P90 GFS sur le bridge, un VEH GFS. Donc après, la 450+, donc une copie de Les Paul, donc avec les micros changés aussi, hein, tout du GFS, un rétrotron Liverpool et l'autre je sais plus trop ce que c'est, enfin c'est des hottes, ils sont surbobinés 13K et je sais plus combien celui-là, beaucoup. Donc évidemment ça sonne pas comme les celles là normalement c'est des comment c'est des Wilkinson d'origine mais je les ai mis sur une autre. Dernière trouvaille, une Harley Benton, une copie de PRS creuse, elle est complètement creuse, jusqu'au bout, le creux il s'arrête là, et il y a une poutre centrale, comme ça, tout au milieu, et c'est des Wilkinson, j'ai rien changé, celle-là elle est comme je l'ai acheté, j'ai juste descendu un peu ça, un quart de tour, là et là, point bas, rien changé. Et ça, c'est pas le même Wilkinson que sur la Les Paul, il est bobiné plus fort. Je sais pas pourquoi, mais enfin bref, c'est comme ça. Neck. Thank you.
Enfin, c'est mon ressenti. Et je trouve qu'elle a un peu plus de sustain que les deux autres. Et c'est pas si mal pour les trois, quoi. Pour des machins vraiment pas chers, quoi. Celle-là vaut 200 euros à peu près. Les autres, 145, je crois. Bon, maintenant, on va mettre un petit coup de saturation. Alors, j'aime bien celle-là. J'espère que ça marche. Ouais. Donc ça, c'est un clone de Red Llama, Music Dink. Le gain et le volume, ils sont à peu près entre 9 et 10 heures. Donc bridge. Donc toujours à PRS. Sur l'autre. Ça pèse plus lourd aussi, c'est pas creux. Et comme ça a priori les mêmes bois. Voilà quoi. Et celle-là. Bon voilà. Ça c'est celle qui sonne le plus différent de l'origine parce que les micros franchement ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Et d'origine ça c'est vendu avec des micros Harley Benton machin truc. Pas terrible quoi, pas des Wilkinson, donc faut pas s'attendre à ce que ça sonne comme celle-là avec une toute neuve quoi. Donc là sur le P90,
assez grand parce que c'est l'arrêt de la main. Admettons que je mette la Zen Drive. Voilà, ça part moins en fuzz. Bah donc ça sonne un peu plus sec. Pour la Zen Drive, là je suis au quart du gain. À fond du potard en plus là qui rend le son plus mordant. Et à midi que tout le reste. Ça fait drôle quand on remet la Zen Drive après l'autre, tout d'un coup il n'y a plus le côté gras qui est quand même chouette. Et pourtant la Zen Drive c'est une super pédale. Enfin voilà. J'arrête là. Sinon là, ça va durer une plombe.